You know what she did? Your canting daughter! Salut à tous les amis. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais avec le film dont je vais vous parler aujourd'hui, que vous connaissez je pense, on peut remettre cette affirmation en question. Cujo, réalisé par Lewis Teague et sorti le 10 août 1983, est une adaptation d'un roman de Stephen King qui porte le même nom, qui nous raconte l'histoire d'un énorme Saint-Bernard qui va être contaminé par le virus de la rage, qui va faire un carnage autour de lui, et une mère et son fils qui viennent sur la propriété des propriétaires, qui viennent dans le garage, voilà, des maîtres de Cujo pour faire réparer leur voiture vont se retrouver assiégés, et n'auront plus la possibilité de fuir et vont rester bloqués dans leur voiture pendant que Cujo essaie à tout prix de rentrer pour les bouffer. Cujo, what are you growling at? Cujo, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, déjà parce qu'il est très sombre, et je le trouve très triste ce film. Cujo, c'est rien d'autre qu'une victime qui va être mordue par une chauve-souris qui est détenteuse de la rage, et qui va se changer petit à petit en un monstre assoiffé de sang, qui ne va plus du tout être le chien adorable qu'on nous présente au début. Et moi, tous les films avec des chiens, ça me touche assez, voilà. Et Cujo, au-delà de son aspect de film d'horreur et de film de chien enragé, c'est un drame avant tout. Et je trouve que les scènes d'attaque sont extrêmement violentes, vraiment avec une tension palpable assez angoissante. Et il y a notamment une scène où Cujo arrive à rentrer dans la voiture et se met à déchiqueter la mère. C'est une scène vraiment violente avec le petit gamin qui est à l'arrière de la bagnole et qui assiste à ça impuissant. C'est une scène qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Pareil, c'est un téléfilm que j'ai découvert assez jeune. Et Cujo, voilà, c'est une prouesse technique, parce qu'il fallait déjà mettre en scène un Saint-Bernard enragé, ce qui n'est pas quand même une chose assez simple, mais c'est brillamment réussi. Je trouve que le film évite beaucoup d'erreurs qu'il aurait pu faire, même si la fin est différente de celle du livre. Cujo, ça reste un film très violent, assez triste, comme je l'ai dit, bien interprété, puisqu'on retrouve dans le rôle de la mère l'actrice Dee Wallace, qui est une valeur sûre, qui là va camper une femme qui va tout faire pour essayer de sauver son enfant.
Mais voilà, les choses vont être assez compliquées. On va avoir des personnages qui sont pas des losers, mais qui traînent un poids dans la vie. Puisque le couple entre Dee Wallace et son mari bat un peu de l'aile, puisque Dee Wallace, enfin Donna, donc dans le film, a commis l'adultère et son mari l'apprend. Et voilà, ça va amener une tension dans le couple. Et les choses ne vont pas aller bien. Et lorsque Donna va se retrouver piégée, ben on va quand même s'inquiéter un peu pour elle. On nous présente un personnage de femme faillible et forte à la fois, qui va tout faire pour sauver son enfant, mais qui, voilà, n'a peut-être pas su protéger son couple. Cujo, c'est une bonne adaptation, même si la fin a été modifiée, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est peut-être même l'une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King. C'est intense, c'est brutal, ça a presque 40 ans et c'est un des films avec un chien meurtrier les plus réussis, peut-être même le plus réussi avec bien sûr Dressé pour tuer. Je vous le conseille de tout cœur. Si vous ne l'avez jamais vu, bon bah revenez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous le connaissez par cœur comme moi, bah, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de certaines scènes comme celle de l'attaque dont je vous ai parlé. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement, demain, pour être précis, pour parler à nouveau de cinéma d'horreur. Ciao!